Tu as utilisé la subconscience. C'est comme son nom l'indique qu'il y a des choses qui se font sans qu'on en soit conscient. Et ça implique une observation de l'extérieur qui puisse dire effectivement là il se passe ceci, il se passe cela. Mais ça n'est pas ce qui est ressenti par les gens, par les acteurs. Par exemple, lorsqu'on met là, on donne de l'importance à des juifs, pour des leaders, pour des leaders d'Égypte, on ne les choisit pas pour s'entendre ces leaders parce qu'ils sont juifs. Mais il se trouve qu'ils sont juifs. De la même façon, si on donne de l'importance aux femmes à un certain moment, ce n'est pas parce qu'elles sont des femmes, c'est parce qu'on a trouvé qu'elles étaient intéressantes. Je vais prendre deux exemples au niveau du gouvernement français. Gabriel Attal et Elisabeth Borne, qui sont tous les deux d'origine juive, d'après ce que j'ai compris. Eh bien, ils n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient juifs. Ils étaient choisis parce qu'ils avaient des qualités que l'on n'avait pas, qu'on n'aurait pas qualifiées de juives au nom de la tradition classique. Un juif, c'est celui qui va à la synagogue, qui fait ses prières, etc. Ou une femme qui est ceci, ça. Non, c'est subconsciemment, on ressent que ces gens-là doivent être mis en avant parce qu'on est en phase équinoxiale. Alors, donc, la subconscience, c'est aussi par exemple l'astrologie. Il y a des choses qui se font à certaines périodes, non pas parce qu'on sait que ce sont des périodes qui astrologiquement font sens, mais parce qu'on ressent que ça fait sens. Et donc, c'est ça, c'est tout ce décalage qui est intéressant. Des choses qui se font et qui objectivement sont liées à l'astrologie, qui sont liées au judaïsme, qui sont liées au féminisme, mais qui ne sont pas définies et qualifiées comme telles. Et c'est à l'observateur, au sociologue, de noter cela, de faire remarquer cela. Mais ça correspond à un autre niveau de conscience. C'est le problème de la science, justement, de certaine manière, de décrire des phénomènes qui ne sont pas perçus consciemment, mais qui fonctionne néanmoins. De la même façon que notre corps fonctionne, mais on n'a pas forcément le contrôle de ce qu'il fait, on ne sait pas à quel moment on est en train de digérer ou de ceci ou cela.